Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17, les amis, nouvelle vidéo sur la série, sur la map Le Vieux Marais, pardon, je vais y arriver, Le Vieux Marais qui est, voilà, deuxième épisode, qui, le premier épisode nous a vraiment plu, ça fait vraiment plaisir. Je vois que, voilà, la map Oakfield Farm vous a un petit peu lassé, c'était pas trop votre kiff. Et sur cette map là, je pense que, voilà, ça redonne un petit peu d'élan, on va dire, à cette série du mardi. Et moi ça me fait plaisir, donc je remercie encore Zelma Modding de m'avoir passé la map. Même si normalement, à l'heure où vous voyez la vidéo, elle sortira, elle sera en DN, normalement cette map là, de toute façon elle sera dispo sur mon site internet avec le lien d'origine, enfin le lien officiel j'ai envie de dire, si vous souhaitez la voir elle sera dispo sur mon site internet, il n'y a pas de souci, je vous invite à voir ça, allez voir ça, pardon, le lien est dans la description. Voilà, donc normalement elle sera sortie s'il n'y a pas de soucis. Donc les amis, aujourd'hui on va tout simplement continuer un petit peu nos foins et d'enrubanage. On va tout simplement finir de faner déjà ce petit pré que j'ai fait un tour, voilà, on va continuer de faner ça ensemble avec la faneuse Kune du DLC Kune, voilà. Et après on ira presser, enrubaner et pourquoi pas peut-être endainer ce champ là avec l'endainer Kune également, qui est plutôt pas mal. Donc les amis, on commence. Alors ce petit John Deere, vous pouvez le trouver, hop, je vais remettre la TH. Vous pouvez le trouver également sur mon site internet si vous voulez, les amis. Il est dispo sur mon site internet parce que vous étiez nombreux à me le demander. Et là ça y est, je l'ai mis sur mon site. Si vous le souhaitez la voir, et ben il n'y a pas de souci, les amis, vous allez voir ça sur mon site internet. Normalement vous le trouverez très facilement dans la catégorie tracteur, voilà, tout simplement. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va encore plutôt bien, je suis vraiment encore content de vous retrouver encore une fois, ça fait vraiment plaisir sur cette série là, sur cette map là. Parce que franchement voilà, j'ai retrouvé un petit peu d'élan, parce que c'est vrai que la série du mardi j'avais plus trop envie de la... Enfin c'est pas que j'avais plus d'envie de la faire, mais c'est que voilà, j'ai plus la même hype, la même envie sur cette série du mardi qui... voilà, j'avais plus trop l'envie sur la map Oakfield Farm. C'est une belle map mais c'est une map qui m'emballait pas non plus vraiment plus que ça. Et du coup avec cette petite map là, franchement ça m'a redonné l'envie de faire des vidéos sur, voilà, sur la série du mardi. J'ai envie de dire voilà, ça fait plaisir, je retrouve vraiment l'envie et ça fait... Voilà, c'est le principal, donc ça me fait plaisir, et voilà. Donc ce qu'on va faire au pire les amis, ce qu'on va finir, voilà, bon, le champ n'était pas très grand, hein, voilà, il n'y avait pas grand chose à faire, mais voilà, on va endainer avec on va prendre notre John Deere, je crois qu'il m'en manque un petit peu là. Non, j'avais tout fait. Moi j'ai l'air d'avoir tout fait, ok. Hop, ouais. On va la replier, on va rentrer à la ferme les amis. Alors ce petit John Deere est pas trop dégueulasse, hein, franchement c'est un 6M, franchement il est assez sympa, je suis pas sûr qu'on ait lissé. Si on a lissé, on peut juste ouvrir les portes, je crois. On peut juste ouvrir les portes. Mais voilà, je vous invite à aller voir sur mon site internet, normalement il sera disponible, il n'y a pas de souci. J'essaierai de vous mettre ça. Voilà, parce que je sais que même dans la vidéo présentation de la match, j'avais utilisé ce tracteur là, enfin il était sur la miniature, et vous étiez nombreux à me le demander, donc du coup je vais le mettre sur mon site internet. Voilà, comme ça vous l'aurez. Vous l'aurez. Hop, donc là on arrive au corps de ferme, pour ceux qui connaissent pas la map. Donc là c'est le corps de ferme des vaches, au pire lui on va le laisser le long. Le long, mais... Non, on va peut-être le rentrer, au pire directement. Là ça va passer, ça passe. Hop, voilà, comme ça on va baisser la faneuse derrière, on va couper ça et on va prendre, voilà, celui-ci, le petit John Deere, le 7810, franchement il fait plaisir ce tracteur, c'est vraiment que je ne l'ai pas utilisé et voilà. C'est vrai que là pour le moment on va utiliser pas mal de John Deere, parce que c'est vrai que c'est pas des tracteurs que j'utilise beaucoup. Je suis désolé, mais après on verra s'il y a d'autres modes qui sortent vraiment sympas, mais on prendra des modes, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment je prends plaisir à jouer avec ces tracteurs là, puis je sais que voilà, les fans de John Deere, vous êtes nombreux sur ma chaîne, donc du coup... Ah, merde, je suis pas en face, ah putain même j'arrive à mettre en face. Voilà, hop, donc l'endainer Kune les amis du DLC, l'endainer, je sais même pas, est-ce que ça passe? Non, ça ne passe pas, parce que l'essieu est directionnel derrière. Hop, on va sortir droit, comme ça, tac, là ça devrait sortir, ouais, nickel. Hop, par contre ça va pas tourner, si ça tourne, allez on est parti. Donc ça c'est l'endainer, putain comment on appelle ces endainers, merde, c'est pas les endainers à plateau, comment ça s'appelle ça? Putain ah, je sais plus, enfin en bref c'est avec des pick-up en fait, un pick-up avec un système de toile en fait qui ramène le foin ou l'herbe là où vous voulez en fait, soit au centre, soit de gauche ou à droite. J'en ai jamais vu en vrai fonctionner, mais ça doit être quand même assez impressionnant je pense, parce que c'est quand même un sacré engin. Et franchement ça fait plaisir aussi d'utiliser, c'est vraiment que je l'ai pas utilisé ce mode là, enfin ce mode. Ah putain c'est en collision, merde, je partais confiant, oula mais Jérémy qu'est-ce que tu fais là? Tu fais de la merde. L'entrée est pas très grande c'est vrai, mais bon quand même, il y a un minimum. Ah, c'est chiant par contre que l'essieu soit directionnel comme ça à l'arrière pour reculer, c'est un peu la merde. Hop. Donc, on va déplier tout ça. Donc, on va faire un petit peu, voilà, ça va être vite endainer, on va endainer ça ensemble et on continuera le pressage, enrubanage dans le... Hop. Alors, côté mode de travail, côté droit, voilà. On active tout ça, on baisse et là on est parti. Vous voyez, ça ramène bien à droite, c'est nickel. Impeccable. Donc on va pas aller trop vite non plus. Question de pas faire de manque. Mais là ça devrait le faire. Donc là on utilise vraiment que des outils du DLC Kune, hein, qui est sorti déjà longtemps, hein, mais ça fait plaisir de les réutiliser. Ouais, franchement ça fait plaisir. Donc comme ça les amis, on aura un petit peu... putain, alors là par contre... Ah ouais, alors là par contre... Hop, on va essayer de faire ça. Putain, c'est tout en collision. Ah, ça se fait chier ça. Ça c'est chiant. On va se remettre droit. Hop, comme ça. On va passer... Désolé, pour... merde. Pour le... Pardon, excusez-moi. C'est vrai que je dis beaucoup de gros mots, je suis désolé. J'ai eu une remarque d'un abonné d'ailleurs qui me disait si je pouvais arrêter de dire des gros mots par contre. Et c'est vrai que vous avez raison. Il a entièrement raison, mais c'est vrai que c'est... Désolé les amis, je suis un peu des fois brut de décoffrage. Oula. Voilà, comme ça. Je suis un peu anti, entre guillemets, je suis un peu comme vous, hein, voilà, je suis... Ouais, mais c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention. Mais voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, les outils... Oula. L'endaineur du... Enfin, les outils, pardon, du DLC Kune. Voilà, on va vraiment utiliser que ces... Oh, putain. Que ces outils-là dans cette vidéo. La faneuse, l'endaineur, on va utiliser la presse enrubanneuse également à balle ronde. Alors là, par contre, je vais peut-être faire demi-tour. Mettre comme ça, je pense que ça, ça pourrait être pas mal, je pense. Ouais, je pense que je vais y faire comme ça. Comme ça, hop, on va baisser ça. Et on est reparti. Ouais, donc on va utiliser vraiment que des outils de DLC Kune. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à lâcher, bien sûr, un gros pouce bleu si ça vous plaît. Ça vous fait toujours plaisir. Hop, on va faire ça comme ça, on va pas s'embêter. Hop, on va essayer de faire ça au mieux. C'est vrai que l'endaineur est peut-être un poil gros. Je vous l'accorde, l'endaineur est un peu gros par rapport à la surface du pré. Je pense, un tout petit peu, hein, mais un tout petit peu, vraiment. Enfin, j'aurais pu utiliser un endaineur, une toupie, ça aurait largement suffi. Mais bon, allez, c'est pas bien grave. Hein, et... Il y a plus grave, j'ai envie de dire. Ça, par contre, ça va faire un sacré endain au bout là. Wesh, mon dieu. Ah là, j'ai pris le petit dot sa gros tronc par contre mince, pardon. Putain. pour enrubanner, pardon, je vais y arriver. Hop. Tac, on va faire ça comme ça. Alors, par contre, ça va faire un sacré andin là. Ah, là, ça va faire un big andin. Mais bon, c'est pas bien grave, on va faire avec. Hop, voilà. Tac. Bon, ce sera endainé un petit peu, ouais, c'est pas trop mal, mais bon, ça pourrait être mieux fait, hein, on est d'accord. Je suis d'accord avec vous, ça pourrait être mieux fait, mais bon, on va faire ça comme ça. Hop, pour cuire là, tac. Voilà, on va reprendre comme ça, question que ça fasse un bel andin, qu'on se fasse pas chier, qu'on se fasse pas trop chier après. Hop. Voilà, hop, on va replier ça. Oula, alors là, hop. On va ramener ça aussi à la ferme, les amis, comme ça ce sera fait, ça passe. Ça passe. Allez, un petit peu de vue intérieure, parce que c'est vrai que je n'avais pas pu trop en faire, sinon ça aurait été un petit peu galère. On va ramener ça en vue intérieure. Et puis voilà, voilà. Tranquillou, tranquillou. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire, les amis? Je réfléchis un petit peu. Concernant la série Choc des générations, j'ai eu un abonné qui m'a fait la remarque pour savoir si j'avais arrêté la série ou pas. Non, j'ai pas arrêté la série, les amis, mais c'est que peut-être un petit peu moins d'envie du coup. En fait, je comptais la reprendre, mais quand j'ai vu cette map là, je me suis dit, je préférais faire des vidéos sur cette map là, tout simplement. Mais on va le laisser là au pire. Et puis c'est un petit peu le manque de temps aussi, les amis, parce que je vous sors quand même pas mal de vidéos. La série No Cheat également qui prend pas mal de temps à préparer. Donc hop, tac, il essaie ici, hop. Hop, on passe le cueilleur et c'est bon. Enfin, le cueilleur, le ramasseur et c'est bon. Ouais, donc je suis un petit peu désolé. La Choc des générations, pardon, est un petit peu en stand-by, mais elle reprendra, il n'y a pas de souci. Hop. Allez, sort. Donc, ça, c'est une presse du DLC Kune, hein, si vous la voulez. Il faut acheter le DLC Kune, bien sûr. Voilà. Ça, c'est une presse enrubanneuse qui va plutôt bien, franchement. Et plutôt pratique, plutôt bien faite et tout. Les animations sont plutôt sympas avec les engrenages qui tournent, vous voyez. Puis le coupe-fil est plutôt sympa. Enfin, le coupe, pas fil, le coupe. Comment on appelle ça? Le coupe filet. Oui, si c'est bien ça, un coupe-filet. Putain, j'ai un doute. Enfin, c'est plutôt pas mal fait. Hop. Donc, les amis, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus. On va tout simplement. La botte passante, c'est pas grave. On va tout simplement. Donc, le DOTS également, j'en profite. Oh, putain, pardon, je suis désolé, mais le DOTS était dispo sur mon site internet. Hein, si vous le voulez, ce petit DOTS, c'est dispo sur mon site internet. Pardon. Prochain épisode, les amis, on va tout simplement s'occuper des animaux. Maintenant qu'on aura de l'enrubanage, on aura du foin. J'ai acheté de la paille parce qu'on n'a pas encore fait de paille, mais j'en ai acheté. Tac. Donc vous allez voir, les amis, on va s'occuper des bêtes dans le prochain épisode. Parce qu'il nous faudra du fumier, tout ça. Donc il faut bien qu'on leur donne à manger et à boire. Je les ai achetés. Vu que c'est une série cheatée, on s'en fout, hein. Je veux dire, j'ai acheté les vaches, mais je leur ai pas encore donné à manger. Donc ce serait peut-être bien qu'on s'en occupe un petit peu, voilà. Hop, comme ça. Tac, il reste quoi, 2 andins là. Hop. Hop, on va décharger la botte, voilà, comme ça, hop. Hop. Voilà, alors, par contre, faut reculer, faut... Il n'y a pas de pré-chambre en fait, donc du coup, il faut bien attendre que la porte soit refermée, pardon, pour pouvoir décharger la botte. Enfin, pour pouvoir continuer, pardon, je vais y arriver. Hop. Comme ça, voilà. Hop. Tac. Je pense qu'on va finir ce champ là, les amis, et puis après on s'arrêtera là. Je presserai de mon côté le champ en foin, je presserai tout ça. On fera quelques petites bottes de foin. On se fera également de l'ensilage aussi, les amis. Bien sûr, il y aura de l'ensilage. Il n'y a pas de souci. Hop, on va ramasser les petites merdouilles qui restent. Et il doit y avoir un petit andin ici. Ok. Tac, on décharge ça là. Voilà. Et il y avait un, là, j'en ai oublié un petit peu, je crois aussi. Bon, ça fait quand même quelques petites bottes d'enrubanage, tout ça. Alors, j'ai pas. Le champ n'est pas fertilisé ou quoi que ce soit. Donc, ça va, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Bon bah écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. À commenter, à interagir avec moi en commentaire, bien sûr. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, moi je m'empresse d'aller presser le champ en foin. Et puis on se retrouve mardi prochain pour la suite sur cette série-là. Et puis voilà, bah écoutez les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!